Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'être là. On va avoir, je pense, quelques personnes qui vont se connecter dans les toutes prochaines minutes, mais pour respecter ceux qui sont à l'heure, nous allons commencer. Donc, je suis ravi d'introduire ce webinaire que nous organisons avec EY sur un sujet fondamental en ce moment qui est lié aux problématiques de cash et éventuellement de restructuring. Et dans un webinaire qu'on a intitulé en 3 temps, résistance, relance et rebond. Donc, je tiens à remercier EY puisque nous avons collaboré pendant toute cette crise et notamment, je vais juste vous demander de passer à la slide suivante, peut-être, s'il vous plaît. Et notamment au moment du confinement, mais je vais y revenir dans 2 minutes. Alors, on va juste rappeler quelques sujets, quelques problématiques de gestion du webinaire. Faites bien attention de laisser vos micros éteints, sauf si vous êtes intervenant. Et puis, vous avez comme d'habitude un chat. Donc, sur lequel on vous propose de poser les questions auxquelles les intervenants répondront soit au fil de la présentation, soit à la fin, au moment des questions-réponses, en fonction de la pertinence et puis aussi de la problématique de la fluidité des présentations. Donc, nous allons faire ce webinaire à trois. Moi, je ferai une introduction assez brève et puis ensuite, Guillaume Cornu, qui est partenaire EY, et puis Julien Brindeau, pardon, excuse-moi, qui est associé de partenaire, interviendront, je dirais, à deux mains sur ces différents sujets. Donc, pour introduire ce webinaire, juste un petit rappel d'une situation que vous connaissez évidemment bien, mais ça nous permet juste de nous mettre dans un contexte global. C'est clair que depuis le premier confinement, en fait, les secteurs d'activité ont connu une reprise variable, avec un équipement de la maison, du sport, qui ont connu plutôt une période assez faste en matière de chiffre d'affaires, de développement, le bricolage, la jardinerie, etc., et qui pour certains, notamment le sport, sont à peu près revenus, étaient en tout cas à peu près revenus avant que nous refermions les magasins fin octobre. Très clairement, vous le savez, du coup, les enjeux d'avril, de mars-avril étaient importants, mais ils ont pu être couverts par des sujets. Il y a eu le gros débat des loyers, il y a eu les problématiques de PGE et des problématiques liées à la gestion du cash, mais disons qu'on était sur une activité relativement modeste et donc le chômage partiel permettait aussi de trouver des solutions. En novembre, c'est très différent. Une grande partie des magasins sont fermés, même ceux qui étaient ouverts parce qu'ils étaient, je dirais, des activités dites essentielles. Je pense par exemple chez nous à l'alimentaire spécialisé, le chocolat, les épiceries fines, etc., ont eu des fréquentations extrêmement faibles, de l'ordre de 50%. Et donc, là, toute la question, évidemment, maintenant que nous avons pu faire réouvrir les magasins, heureusement, ça va être la question du chiffre d'affaires de décembre et de janvier, avec des enjeux de volume extrêmement forts et du coup des problématiques qui ne portent plus seulement sur le loyer ou sur les effectifs, puisqu'on a une part relative, notamment du loyer, qui est beaucoup plus faible sur cette fin d'année et sur le mois de décembre. On a pu voir que, en termes de cash, beaucoup de réseaux étaient fragilisés. En tout cas, ils l'auraient été très fortement et très nombreux si on n'avait pas pu réouvrir fin novembre. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là, mais en tout cas, ça reste une préoccupation majeure vu qu'il reste beaucoup d'incertitudes sur la réalité des chiffres d'affaires de décembre. Et puis, on a, depuis le début, une problématique fortes, en tout cas en tant qu'action de Procos, qui sont liées au fait que beaucoup des aides, la plupart des aides, sont très, très orientées TPE et qu'il y a une faible prise de conscience par les pouvoirs publics aujourd'hui
de la fragilité des réseaux, notamment des réseaux succursalistes, et que donc ça continue de poser des difficultés majeures dans l'appréciation de ce qui pourrait se passer. En juin, EY nous a accompagnés, je précise gratuitement, donc merci encore à toute l'équipe, en disant il faut absolument proposer des mesures. À l'époque, du plan, mesures autour de plan de relance, parce qu'on ne pensait pas être reconfiné, mais bon, on avait quand même apprécié le fait qu'il fallait mettre en place des mesures de sauvegarde dans un premier temps, d'allonger le remboursement du PGE et repousser le début des remboursements, ce qui est le cas maintenant quasiment acquis pour 2 ans, mais il reste à gérer les problématiques de financement de long terme, et le 2e confinement n'a évidemment pas faciliter les choses. Nous avions demandé la suppression d'un certain nombre d'impôts de production, et notamment de la TASCOM. Pour l'instant, la TASCOM n'a pas été suivie sur ce sujet-là. Par contre, vous le savez, dans le plan de relance, il y a une baisse des impôts de production et le commerce en bénéficiera à hauteur de 13%. Évidemment, des sujets liés aux bailleurs, je ne vais pas insister là-dessus, et c'est vrai qu'on a pu mettre en place, même si c'est quand même assez complexe et que ça reste encore le bazar, les problématiques d'accompagnement sur le 2e confinement, le premier ayant été plutôt une bataille de tranchées, le 2e devant normalement être plus facile à gérer dans la mesure où il y a des crédits d'impôt et que l'État a donc reconnu que, y compris les entreprises jusqu'à 5 000 salariés, alors nous on défendait effectivement qu'il n'y ait pas de seuil, mais que les entreprises jusqu'à 5 000 salariés méritaient d'être accompagnées dans un contexte comme ça. Donc, on va sauter le verrou, on va dire, de la TPE, même si ça reste très difficile à appliquer. Et puis, on demandait, bon là, c'est pas du tout avancé là-dessus, qu'on réfléchisse sur les problématiques d'agilité, de flexibilité, sur les règles, dans le cas de nécessité de reconfigurer des parcs de magasins, puisque vous savez bien que, à la fois pour des raisons sociales, des raisons réglementaires, immobilières, c'est très long et très compliqué de reconfigurer un parc. Et si on doit être agile, c'est quand même pas évident. Donc aujourd'hui, actuellement, c'est juste une information. Donc nous demandons, nous, à ce que le fonds de solidarité soit élargi à toutes les entreprises fermées en novembre, quelle que soit leur taille. Donc c'est sûr que ça ne va pas être facile à obtenir, puisqu'on voit bien que, y compris les entreprises de restauration, par exemple, ou de salles de sport, qui sont fermées jusqu'au moins le 20 janvier, ont beaucoup de difficultés à obtenir gain de cause lorsqu'elles ne sont pas des petites entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui est quand même très favorable de paiement du chiffre d'affaires à hauteur de 20% de ce chiffre d'affaires jusqu'à un seuil, avec un seuil de 200 000 euros. Donc pour les entreprises de taille petite, c'est une bonne formule à partir du moment où elles sont fermées. Malheureusement, tout ça ne s'applique pas au réseau et donc ça reste une grosse difficulté. On a toujours le sujet du financement à long terme, donc on continue de travailler sur ce sujet. Également, l'État en a conscience, mais ce n'est pas obligatoirement facile à mettre en œuvre. Il avait parlé des prêts participatifs, pour l'instant il a un peu levé le pied sur le sujet, mais les réflexions restent en cours. Et par ailleurs, après 2021, de manière à permettre la reconstitution des trésoreries, nous militons pour qu'il y ait une baisse de TVA de 5%, enfin, en tout cas que 5% de la TVA reste acquise aux entreprises sans contrepartie, de manière à reconstituer au plus vite les trésoreries et à faire en sorte que les entreprises, à partir du moment où elles sont ouvertes, puisque par exemple la restauration, c'est toujours pas le cas, puissent accélérer cette reconstitution de trésorerie. On demande à ce qu'elle soit applicable plus rapidement pour les entreprises qui sont aujourd'hui ouvertes. Voilà, je ne serai pas plus long. Je donne la parole à Guillaume pour qu'il commence à introduire et puis ensuite. Éventuellement, je répondrai aux questions si jamais il y en avait qui me concernent. Voilà. Merci encore et puis à tout de suite. Merci Emmanuel. Oui, donc bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc, Guillaume Cornu, je suis associé chez EY.
J'anime, enfin, j'ai deux responsabilités chez EY. La première, c'est d'animer de manière assez historique. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, une ligne de service qu'on appelle Restructuring Cash Management, donc qui est dédiée, comme son nom l'indique, à l'accompagnement des entrepreneurs quand ils rencontrent tout type de difficultés. On va y revenir tout au long de la présentation. Et mon deuxième rôle, c'est d'animer de manière transversale pour l'ensemble du territoire, donc en couvrant l'ensemble des régions en France, ce qu'on appelle le segment entrepreneur. Alors, la définition chez EY est assez large. C'est tout ce qui est hors grand compte finalement. Ça part des startups jusqu'aux sociétés qui font jusqu'à 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, c'est une animation, tout métier confondu, un peu calquée, j'allais dire, sur le modèle de banque quand elles poussent leurs seniors bancaires à faire du coverage un peu partout. On croit beaucoup à la proximité avec les entreprises et les entrepreneurs. On croit beaucoup aux régions et notamment dans les situations de crise. Je vais peut-être laisser Julien aussi se présenter. Et puis après, on va commencer directement la présentation. Oui, bonjour à tous. Julien Brindeau, donc associé de partenaire au sein du département restructuring, dont Guillaume a le lead. Moi, mon background, c'est une dizaine d'années dans un autre cabinet à faire de la transaction et du restructuring. Et après, j'ai souhaité passer côté entreprise pour devenir CFO de diverses PME-ETI avant de replonger dans le domaine du conseil. Donc, ce que je trouve plutôt bien parce que j'ai cette vision sans doute opérationnelle que n'a pas tout bon consultant. Voilà, donc ça vient avec envie dans les équipes de Guillaume. Merci Julien. Donc l'objectif de ce... Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre en mute, parce qu'il y a un petit peu de bruit. L'objectif de... Guillaume, on ne vous entend plus. Oui, je ne sais plus, effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en mute, donc ça fait un peu de bruit. Mais... donc, pardon. Donc, l'objectif de ce webcast, hein, c'est de partager avec vous un peu d'expérience de ce type de situation, sachant que moi, j'ai commencé en 91 avec la crise, donc guerre du Golfe, crise de l'immobilier, et puis la crise tout court qui a duré comme toutes les crises. Hein, malheureusement, ça ne dure jamais que quelques mois, voire même un an. 91, la crise des startups 2000, 2008, et puis cette nouvelle crise. Et quand je parle d'humilité, c'est que je pense que personne n'a jamais connu ce qui se passe et personne ne pouvait l'anticiper. Pour autant, il y a des situations un peu similaires et ce qu'on aimerait faire avec vous, c'est véritablement partager justement cette expérience qu'on a pu acquérir au cours de ces années et sans encore une fois faire les grands consultants, essayer d'être très pragmatique, très pratique et répondre à vos questions. Donc, je sais bien que les webcasts, c'est pas très, on en fait beaucoup. C'est pas hyper interactif parce que on voit pas le body language, on voit pas les gens, donc on parle tout seul devant son ordinateur. Mais si on pouvait effectivement aussi faire en sorte qu'il y ait un échange, ça serait mieux. Alors ce premier slide, c'est quoi? Ce premier slide, c'est juste de dire quand on est dans une situation de crise et comme celle qu'on connaît aujourd'hui, d'abord il y a peu d'entreprises qui peuvent dire qu'elles sont pas en difficulté, peu de secteurs. On connaît bien le retail parce que malheureusement, c'est un secteur qui connaît des hauts et des bas. Et en 91, jusqu'à 96, 97, il fait beaucoup de dossiers et 2008 aussi. Et puis là, on a été assez actifs aussi depuis le premier confinement. Le message ici, c'est quoi? C'est, j'allais dire, facile à dire pour un consultant, mais pas de tabou. Le pragmatisme avant tout. On est dans l'immédiateté. On doit gérer une crise et une crise, ça se transforme toujours les difficultés d'une entreprise à un moment ou à un autre. Elles sont toutes différentes. Il n'y a jamais deux cas identiques, mais il y a quelques points de convergence. Et le point majeur de convergence, c'est généralement une accélération des difficultés qu'on a du mal à anticiper parce que tous les entrepreneurs sont évidemment habitués et confrontés tous les jours à des difficultés illégères et ils ont besoin de personne. Mais il y a un moment où, dans certaines situations, les choses s'accélèrent. Et le point de convergence, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que c'est véritablement là où ça peut pêcher et c'est là où ça peut vite déraper. Et donc, le message ici, c'est de dire, et surtout dans la période actuelle, et je ne vous apprends rien, il y a eu le premier confinement et malheureusement, il y a ce deuxième confinement, dans la période actuelle, le mieux est l'ennemi du bien. Le point majeur, c'est se concentrer sur le cash, qui est vraiment le nerf de la guerre plus que jamais, se mettre aucune contrainte et utiliser tous les leviers possibles, imaginables, pour acheter du temps. Et je le dis souvent depuis que je fais ce métier, quand on rentre dans une phase de restructuring ou de difficulté,
Le plus important, c'est dans la vie de manière générale, c'est d'être indépendant. Être indépendant, ça veut dire être riche en trésorerie pour pouvoir justement se donner du temps de travailler un certain nombre de solutions. Et c'est un peu ça le message de ce slide. Je sais. Donc ensuite, slide. Sinon, ça va. Voilà, on fera un petit point tout à l'heure. Là, j'ai fait un truc, la connexion. Excusez-moi, si vous pouvez vous mettre sur mute. Merci. Donc l'objectif de ce slide-là, c'est de se dire que finalement, il y a trois grandes étapes dans une gestion de crise. Et pareil, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Il y a celle qu'on a déjà connue au mois de mars et qu'on reconnaît à nouveau aujourd'hui avec ce deuxième confinement et qui est inhérente à toute situation de crise, qui est donc de la gestion de l'urgence. Quand on a fait nos premiers webcasts au mois de mars, ce que je disais souvent, c'est entre le 15, bon, nous on travaille dans le monde de l'entreprise en difficulté, donc on avait des dossiers, on a des sujets tous les jours qui est une crise économique, sanitaire ou pas. Mais j'avais coutume de dire qu'entre le 15 et le 16 mars, beaucoup d'entreprises qui se portaient bien, qui étaient parfois dans les secteurs hyper porteurs, se sont retrouvées typiquement dans une situation de restructuring. Pourquoi je dis ça? C'est que du jour au lendemain, tout s'est arrêté, je ne vous apprends rien encore une fois. Et quand tout s'arrête, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place justement pour préserver son cash et donc pour essayer de survivre dans une situation totalement folle. Et pourquoi ça ressemble au restructuring? Parce que c'est ce qu'on fait dans toutes nos missions. C'est justement, on nous compare souvent à des urgentistes. L'urgentiste, c'est d'abord poser un garrot pour essayer d'éviter de stopper l'hémorragie et justement faire le bon diagnostic ensuite et ensuite se poser pour construire le futur. Et là, stopper l'hémorragie, ça a été... Je décale mon fiscal et social, je décale des loyers quand je peux, je décale mes emprunts, je mets des gens en activité partielle et je mets un bridge loan qu'on a appelé PGE. Ça ressemble exactement à tous les dossiers restructurés. Et ça me permettait effectivement de temporiser. Et cette période-là, je pense que tout le monde, enfin globalement, enfin moi je suis toujours impressionné par ce que font les entrepreneurs et c'est pas de la flagornerie, tout le monde l'a très bien fait. Et d'ailleurs, ce qu'on a constaté assez vite dans les missions sur lesquelles on était impliqués, qui étaient différentes natures, dans le distress total, comme dans des situations de stress, où on accompagne les entrepreneurs aussi pour la mise en place de PGE. Très vite, l'ensemble des entrepreneurs s'est concentré, et ce qui est logique, hein, c'est l'état d'esprit entrepreneurial, au futur. C'est quoi l'étape suivante? Comment je sors de l'urgence? En sachant que peu d'entre nous, en tout cas, pouvaient dire c'est quoi la vision à long terme, parce qu'on savait pas très bien comment en sortir. Mais très vite, les gens se sont concentrés effectivement sur la relance et sur qu'est-ce que je mets en œuvre effectivement sur un horizon de temps qui est un petit peu plus long et qui va effectivement de quelques semaines à quelques mois, alors qu'on était véritablement dans du court terme et dans une situation de trésorerie à la semaine sur la première étape. Et puis, effectivement, le troisième stade, c'est la phase de rebond. Et malheureusement, on n'y est pas. Hein, et je pense que cette phase-là, c'est une évidence pour tout le monde, elle est juste décalée dans le temps. Et ça va être un sujet sur lequel on va revenir beaucoup, qui est de dire, faute de visibilité, c'est quoi ce temps long? Et finalement, quelle est la période sur laquelle on doit se concentrer au-delà des quelques semaines de gestion de trésorerie qu'on a pu connaître lors du premier confinement? À la sortie du premier confinement, et vous, peut-être certains me contrediront. Ah non, nous, on avait travaillé sur de nombreux dossiers, notamment. Donc, vous me mettez à rejeter. Excusez-moi, vous êtes en mute. Merci. À la sortie du premier confinement, nous, on avait travaillé sur pas mal de dossiers, dont beaucoup dans le retail, pour rien vous cacher. Et les prévisions sur lesquelles on avait travaillé, je dirais, sur 2020, finalement, se sont révélées plus pessimistes que ce qu'on a pu constater. À partir de mai, juin, juillet, août, hein, ce qui nous arrive rarement d'ailleurs d'être plus pessimiste que le réel. Mais on a vu depuis septembre un tassement, et évidemment, le deuxième confinement remet tout ça en cause. Mais en tout cas, c'est les trois horizons de temps sur lesquels, effectivement, on doit être amené à travailler en tant qu'entrepreneur. Si on peut passer le slide suivant. Donc, pour se projeter au-delà de l'horizon du temps, hein, c'est-à-dire la gestion de l'urgence, après, effectivement, maintenant, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Bon, le scénario en V ou en racine carrée, on l'avait exclu très vite. Et après, on s'était dit, voilà les trois scénarios qui peuvent se produire. Et je ne vais pas passer trop de temps sur ce slide-là, je vais passer sur le suivant. Parce que, hop là. Merci, Steven. Véritablement, on est sur le scénario du milieu, hein, qu'on avait un peu anticipé, pas à ce point-là, et qui était effectivement lié à cette espèce
de ups and downs avec confinement, déconfinement, reconfinement, et donc difficile de se projeter effectivement à long terme. Et donc, ce qu'on a entouré en rouge là, c'est finalement par rapport à une crise qu'on a pu, des crises qu'on a pu connaître par le passé, où on est dans cette phase d'urgence, cette phase de relance, et après cette phase de rebond, c'est que progressivement on sort de la crise. Alors ça met jamais, encore une fois, quelques mois ou même voire un an, mais ça peut mettre effectivement un temps un peu, ça met du temps plus long. Mais là, de mon point de vue, dans un certain nombre de secteurs, et notamment dans le vôtre, je pense notamment à des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie, etc., où on voit bien que même s'il y a des vaccins, enfin personne n'est capable de dire exactement quand et combien de temps ça va prendre de vacciner tout le monde et de revenir dans un cycle, je dirais, économique normal. Nous, on pense qu'il faut acheter un maximum de temps. Alors, ça peut paraître une évidence, mais très souvent, on se dit, tiens, j'ai 6-8 mois de trésorerie devant moi. Et bah, ça suffit parce que de toute façon, derrière, ça va rebondir. Moi, je pense qu'il faut se poser, et ça va être aussi l'objectif, les échanges qu'on va avoir avec vous, et de se dire comment j'achète 2 ans. 2 ans, c'est peut-être trop, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe d'ici 2022? Et donc, là, je vais laisser passer, je vais laisser parler, je crois, c'est Julien qui prend la, c'est ça, la main sur ce slide. Juste un point avant de passer la parole à Julien. La présentation qu'on va dérouler au-delà de ces grandes considérations un peu générales est orientée sur justement la gestion de trésorerie, les outils qui nous paraissent très importants pour piloter d'une part son cash, qui encore une fois est le nerf de la guerre, et d'autre part qui doivent être aussi des outils de communication. J'insisterai jamais assez sur ce point. Communication avec l'ensemble de ses partenaires, banquiers, assureurs, crédit, salariés, pouvoir public, ça dépend des situations. Parce que la communication, c'est aussi un moyen de garder la confiance avec ses, ce que j'appelle les stakeholders, donc les parties prenantes. Mais on y reviendra. Donc, Julien, je te laisse la parole. Merci, Guillaume. Oui, donc, comme le disait Guillaume, on est vraiment dans une phase de résistance, relance, reprise, arrêt. Et durant cette phase, le dirigeant doit avoir, j'aime bien ce parallèle, les jambes pour courir, le cœur pour s'occuper de ses salariés et la tête, justement, pour penser à la phase d'après. Donc les jambes pour courir, c'est finalement assurer la survie financière, garantir la continuité d'exploitation en actionnant le maximum de leviers. Guillaume a commencé à en parler, les leviers managériaux, les aides gouvernementales. Le cœur pour sauvegarder la sécurité et la santé de ses employés, les mesures sur le lieu de travail, les mesures pour accompagner le personnel en APLD ou en télétravail. Et enfin, la tête, car le dirigeant d'entreprise, comme le dit Guillaume, doit en même temps que de penser à la survie et au court terme, et c'est paradoxal, il doit réfléchir déjà à la relance, la manière dont il va paramétrer cette relance, éventuellement fermer certains magasins, revoir peut-être sa stratégie, etc., etc. Donc, dans ce contexte de faible visibilité, et pour arriver à ses fins, vous devez éviter au maximum, c'est facile à dire, les mauvaises surprises. Et pour ça, il faut savoir piloter son entreprise. Et piloter son entreprise, c'est essayer d'anticiper. Et pour répondre à ça, une prévision de trésorerie est l'outil qui permet au management donc de prendre ses bonnes décisions au bon moment pour anticiper et gagner du temps. Alors, la prévision de trésorerie, je pense que vous en faites toutes et tous, il y a pas de surprise. Un des prérequis pour un bon prévision de trésorerie, c'est déjà la bonne connaissance de ma position de départ. Est-ce que j'ai bien toutes mes créances clients? Dans le retail notamment, je pense aux affiliés, wholesale, marketplace. Est-ce que je m'assure que tout ce que je peux facturer est bien facturé? Et est-ce que je m'assure de la bonne collecte de ces créances? Ai-je bien l'exhaustivité de mes dettes fournisseurs? Dans un contexte multisite, pour l'avoir vécu aussi, le process de comptabilisation des factures, la validation des factures, peut amener à avoir des factures fournisseurs dans la nature et du coup ne pas avoir le bon niveau d'engagement. Quels sont mes engagements d'achat, de capex à date? Il convient bien entendu aussi de définir des prévisions d'exploitation. Et quand je parle de prévisions d'exploitation, c'est pas simplement une vision budgétaire une fois dans l'année. Il faut savoir rester agile et effectuer des mises à jour pour coller au maximum au dernier contexte connu.
Et mais là encore une fois, je vous apprends rien. Quand on est dans une phase d'arrêt brutal, on met à jour, bien entendu, toutes ces prévisions. Mais voilà, ce sont des idées clés. Et enfin, ma position de trésorerie doit être vraiment retraitée de tout financement court terme, afin de faire apparaître un besoin brut, ce qui est important pour nous. C'est-à-dire retraiter de tous les financements court terme. Et dans la mesure où derrière, l'idée, c'est de travailler sur les mesures pour essayer de combler ces besoins. Donc, mesures management, mesures gouvernementales, et aller chercher de nouveaux financements ou aller chercher des refinancements. Donc, les mesures management, mesures gouvernementales, la boîte à outils législative, donc trois types de mesures. Les mesures management, il convient de stopper l'inutile, de ne se focaliser finalement que sur l'essentiel, réduire les coûts d'exploitation au maximum, éviter, parce que c'est assez facile dans ces moments-là, peut-être de réallouer des budgets non consommés, tels que les frais de déplacement, les séminaires, et les réallouer à autre chose. Donc, garder ces économies-là. Limiter les capex au seul niveau vraiment nécessaire pour faire tourner l'exploitation et peut-être mettre de côté les capex de croissance ou certains capex de grosse maintenance. Et en fonction de la vision que l'on a de la sortie, il convient aussi d'activer les moyens à moyen terme et procéder à peut-être à des réductions d'effectifs, réduire la voilure si nécessaire, fermer des magasins, revoir ce périmètre de magasin. Les mesures gouvernementales, alors parmi elles, on peut citer l'activité partielle de longue durée, se pose notamment dans le secteur de la restauration actuellement la question des CP, des congés payés. Le gouvernement envisage aujourd'hui une prise en charge partielle, donc je pense que les discussions vont sans doute aboutir. On a entendu dire que le gouvernement pourrait prendre en charge 50% de ses congés payés, donc à suivre. Le PGE, lorsqu'il a été mis en place, on parlait d'une première année de franchise. Aujourd'hui, il est acté d'une deuxième année de franchise, mais de nos discussions qu'on peut avoir avec les banques, cette deuxième année n'est pas forcément acquise à 100%. Les banques disent vouloir discuter avec leurs clients, donc attention à cette deuxième année de franchise. Et puis le fonds de solidarité, Monsieur Leroc en a parlé, avec la nouvelle mesure sur le mois de décembre, qui est de porter ce fonds de solidarité à 20% du chiffre d'affaires, plafonné à 200 000 euros, sans critère de taille pour les entreprises du CHR. Et puis enfin, la boîte à outils restructuring, parce qu'il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des outils législatifs qui permettent d'aider les entreprises dans la prévention des difficultés et aider les entreprises à négocier pour décaler des échéances bancaires, négocier des décalages de paiement de certains fournisseurs et bailleurs, négocier des décalages aussi avec l'État, des décalages d'aides sociales et fiscales. Donc, il convient vraiment d'essayer d'utiliser ces boîtes à outils restructuring et on va en parler un peu plus tard durant cette présentation. Peut-être un mot pour compléter ce que ouais. Dit Julien. Dans la boîte à outils du restructuring, le message qu'on fait passer, alors je pense que c'est moins adapté aujourd'hui qu'en mars. D'abord, encore une fois, par expérience, en 2008, les banques n'étaient pas derrière les entreprises parce qu'elles étaient, c'était plutôt une crise financière. Après, la différence crise économique, financière, je laisse les spécialistes en parler, mais en l'occurrence, les banquiers, finalement, avaient vraiment fermé les vannes. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on a recommandé, et les banques ont suivi, ce qui n'était pas du tout le cas en 2008, de tirer au maximum sur les lignes et encore une fois, de prendre toutes les initiatives et tous les dispositifs qui peuvent exister, voire parfois en inventer. Alors, il y a des choses qu'on n'écrit pas. Par exemple, de temps en temps, on n'a pas le droit de ne pas payer la TVA. Ben, dans certains cas, il faut savoir ne pas payer la TVA, mais pour ça, ça se prépare. Il faut discuter avec des organismes dédiés pour les plus grosses boîtes. Ça peut être le CERI, ça peut être la commission de chef service financier, etc. Mais encore une fois, je reviens à mon premier slide où je dis il n'y a pas de tabou, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut tout imaginer. En revanche, et on y reviendra, il faut en même temps qu'on prend des décisions qui peuvent avoir des conséquences, hein,
difficile, communiquer, c'est-à-dire toujours informer, mais il vaut mieux avoir la trésorerie et discuter que d'essayer de demander du new money dans des situations de crise. Je pense que je ne vous apprends rien, mais on a parfois tendance à le mettre de côté. Voilà ce que je voulais juste préciser. Et deuxième point, pardon, Julien, c'est pourquoi on insiste sur la décomposition de ces trois mesures, mais peut-être que tu vas y revenir, donc je ne vais pas trop empiéter. C'est que on souhaite, enfin, là c'est plutôt vis-à-vis des banques, elles aiment bien avoir une idée, une vision du besoin brut de trésorerie. Et très souvent dans les prévisions de trésorerie, et ce n'est pas une critique, d'une part, elles sont faites trop souvent consolidées, ce qui veut juste rien dire, parce qu'une trésorerie, ça s'apprécie sur un plan social, et les banques et les partenaires d'entreprise sont très sensibles à la circulation de trésorerie, surtout dans les situations de crise. Est-ce que je vais aller ponctionner telle entreprise pour aider telle autre entreprise de mon groupe? Ça s'appelle le compte courant, cash pooling, mais quand ça ne va pas bien, ça peut porter un autre nom et avoir des conséquences juridiques. Donc, vigilance extrême. Mais pourquoi on raisonne en besoin brut? C'est qu'elles veulent, souvent, dans, effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à faire des prévisions de trésorerie en mélangeant un peu les financements, le factor, les découverts, et on arrive à une position nette. Et non, il faut véritablement partir d'une position brute et ensuite, effectivement, positionner ce que Julien vient de mentionner, les différents types de mesures, pour dire, d'une part, j'ai une vision sur mon besoin ajusté, d'autre part, pour faire face à ce besoin, je ne suis pas resté les deux pieds dans le même sabot, donc j'ai mis en place un certain nombre de mesures pour gérer mon cash, et après, effectivement, bah, il y a les mesures du gouvernement, et il y a le cas échéant, des mesures un peu plus dures, parce que j'ai besoin de survivre et de passer. Pardon, Julien, je te laisse. Non, non, c'est un travail d'équipe, Guillaume. Donc, t'as très bien anticipé le slide d'après que tu as commencé à préparer. Donc, l'idée et les banquiers, les partenaires bancaires ont vraiment sont habitués à ce type de présentation des prévisionnels de trésorerie. Ils souhaitent vraiment que les entreprises travaillent sur un besoin brut et ensuite, encore une fois, identifier les mesures management, mesures gouvernementales. La boîte à outils restructuring, mettre en phase tous les financements court terme pour justement être certain de décomposer ce travail du besoin et essayer d'arriver de travailler à combler ce besoin. Donc voilà, le tableau parle de lui-même. Vous commencez à avoir quelques questions. Je ne sais pas, Emmanuel, quelle est l'idée? Est-ce qu'on répond? Je vois qu'il y a déjà une question sur les congés payés. Est-ce qu'on attend la fin du webcast ou est-ce qu'on commence déjà à y répondre, Emmanuel? Oh, c'est à vous, pardon, c'est à vous de voir. Je pense que sur le PGE, Julien a répondu donc sur le fait qu'il soit pas que la deuxième franchise ne soit pas automatique, malheureusement. Sur les CP, si, non, vous pouvez répondre maintenant si ça vous convient. Je pense que la décision gouvernementale sur les CP, notamment de la restauration, n'est pas définitive. Elle est encore en cours de discussion, mais Julien a peut-être autre chose à ajouter là-dessus. Non, tout à fait. C'est-à-dire que dans le cadre de l'activité partielle, et c'est vrai qu'on est le seul pays en Europe à avoir ce type de procédé. C'est-à-dire, on a beau mettre les salariés en activité partielle, ils ont beau être finalement off depuis plusieurs mois. Cette mesure fait que ils continuent quand même à acquérir des congés payés. Et donc tout ça, in fine, c'est une charge pour la société. Et c'est surtout le jour où les salariés qui ont acquis du coup depuis mars un certain nombre de congés payés sans qu'il y ait d'activité en face, le jour où ils vont les prendre, ce sera un décaissement pour les sociétés. Et donc l'idée derrière, c'est que l'État, mais les discussions sont toujours en cours, que l'État puisse prendre en charge une partie de ce décaissement. Donc finalement, c'est en quelque sorte la nationalisation d'une partie des congés payés. Mais les discussions restent en cours. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà l'idée sur les congés payés. Merci Julien. Donc ce slide que vous avez sous les yeux, c'est un peu finalement. Alors nous, on fait partie des gens qu'on n'aime pas trop voir. Alors, au début, généralement, après, quand on a donné un coup de main, généralement, les gens aiment voir, mais juste pour déjeuner ou pour boire. Voilà. Je plaisante, mais effectivement, on n'est pas forcément un annonciateur de bonnes nouvelles. Et quand je dis ça, c'est quand on vous montre ce slide-là, il y a des. En tant que chef d'entreprise, directeur financier, quand on parle de tribunaux de commerce, administrateur judiciaire, conciliateur, scierie ou autre. On n'a pas très envie d'avoir affaire à ces personnes. Et pour autant, il faut aussi savoir utiliser les outils
qui sont disponibles en France et qui sont des très bons outils. Et on ne viendra jamais suffisamment sur l'anticipation et la prévention. Mais ce slide-là, il est aussi à cet endroit pour revenir sur ce que je disais en introduction, qui est de dire que, quels que soient les outils finalement de pilotage, mais en tout cas celui de la trésorerie dans des situations difficiles, ça doit être un outil de communication. C'est pour ça qu'on l'a présenté de la manière que vous avez pu constater juste avant, avec le besoin brut et les mesures, parce que alors c'est facile, encore une fois, on est des consultants, mais il faut garder le manche, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il ne faut rien subir, il faut garder cette confiance. Je dis souvent que la confiance, c'est de la trésorerie, parce que la confiance de ses partenaires, c'est effectivement la capacité à lever des lignes ou à maintenir des lignes et à rassurer son environnement qui est aussi inquiet que ce qu'on peut être. Et donc, cet outil de prévision de trésorerie, il permet d'arriver devant les banquiers ou devant les partenaires divers et variés en leur disant, voilà, je sais exactement où je vais, c'est compliqué à court terme et je suis capable de l'actualiser, de faire des sensibilités et voilà ce que je vous demande, mais regardez ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect de communication. Ensuite, et ça, j'insisterai jamais assez là-dessus, je vous l'ai déjà dit, c'est une évidence, mais je pense qu'il faut le rappeler sans cesse. Plus je suis riche en trésorerie, c'est pas pour autant que je suis en train de gagner de l'argent, hein, de faire du résultat, etc. Plus je suis riche en trésorerie, plus je suis fort pour discuter. Je vais pas sortir la phrase de Sacha Guitry, mais effectivement, même les banquiers, hein, qu'on soit clair, hein, qui sont des vrais partenaires, hein, qui font véritablement jouer le jeu pendant cette crise-là, hein, je tiens à le souligner, avec l'État, évidemment, et tout ce qui a été mis en place, même si c'est très difficile pour les entrepreneurs ce qu'on est en train de vivre. Mais même les banquiers vous reprocheront peut-être plus de ne pas avoir tiré sur vos lignes, pas avoir fait un certain nombre de choses pour vous sécuriser en trésorerie. Et ils auront plus de mal à vous aider, si vous leur demandez de mettre en place du new money, que de négocier de la dette qui existe déjà. C'est une évidence, mais je le rappelle systématiquement. Et quand on parle de prévention, et on va venir à des notions un peu difficiles, donc si on passe au slide suivant, il y a... donc ça, bon, effectivement, ce slide-là, je pense que je l'ai déjà dit, peut-être un point important. Donc oui, je génère de la trésorerie de toutes les manières possibles pour garder la main. Et surtout, et ça c'est très difficile, mais ça c'est aussi une recommandation forte, n'écartez aucun scénario. Parfois, on est appelé par des groupes qui nous disent, voilà, j'ai telle activité qui est déficitaire, je peux plus remettre d'argent dans cette entreprise. C'est quoi mes scénarios? Je vends, je ferme, je vends ou je ferme. Souvent, c'est ça. Hein. Mais c'est rarement, je passe par une procédure collective pour trouver une solution. Bah, de la même manière, nous, on leur dit, mais étudiez tout. Excusez-moi, si vous pouvez vous mettre sur mute. Allô? Bon. Donc, un message fort, c'est étudier tous les scénarios. Après, il faut savoir en écarter, mais au départ, il faut effectivement bien comprendre les procédures qui existent, voir les avantages, les inconvénients pour prendre la bonne décision. Et parfois, il y a des noms qui font peur, procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire. C'est pas forcément la mort de l'entreprise. Encore une fois, si j'arrive préparé en amont, je garde la main et j'ai la trésorerie pour me permettre de fonctionner quel que soit le choix que je fais. C'est ça ce message que je voulais surtout passer. Et le deuxième message, mais je l'ai déjà dit, projetons-nous à 2 ans, quoi. C'est-à-dire, partons sur un scénario extrêmement pessimiste à 2 ans. Voyons comment je génère de la trésorerie pour passer à 2 ans. Évidemment, ça passe par la restructuration de dette, par du gel, par des négociations, etc. Et gardons le maximum de trésorerie sur cette période. Donc, si je passe au slide suivant, alors celui-là, il est moins sympathique, mais il y a, vous voyez, il y a un point important qui est ECP, ça veut dire état de cessation de paiement. C'est véritablement ce qui conditionne beaucoup de choses encore une fois, même après l'état de cessation de paiement, il peut y avoir des solutions qui peuvent être trouvées. Pour autant, il faut toujours l'anticiper, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en amont de cet état de cessation de paiement et surtout pas le subir. Alors, la définition de l'état de cessation de paiement, je reste sur ce slide, hein, Steven. Non, je reste sur ce slide, s'il te plaît. Merci. La définition de l'état de cessation de paiement, c'est lorsque, finalement, avec son actif disponible, c'est-à-dire sa trésorerie, ça veut dire sa capacité aussi à tirer sur ses lignes. J'ai une ligne bancaire de 1 million d'euros à court terme autorisée d'un million d'euros, il est tiré à 500 000. J'ai potentiellement la capacité, même si mon banquier connaît mes difficultés, de tirer 500 000 de plus. Donc, l'état de cessation de paiement, il est caractérisé par l'impossibilité, avec son actif disponible, qui est une notion de trésorerie, de faire face à son passif exigible. Et quand on dit passif exigible, il est évident
qui a des nuances et qu'effectivement, on joue tous beaucoup là-dessus, qui est de dire que bah, si j'obtiens de mes fournisseurs un accord pour étaler mon passif, bah, de fait, il n'est plus exigible mon passif parce que j'ai un accord, j'ai un moratoire. Ce qu'il ne faut pas, c'est subir. Alors, cela est important parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont en amont de l'état de cessation de paiement. Il y a le mandat ad hoc. Finalement, je pense que je passerai plus vite les slides suivants parce qu'après, il y a beaucoup de textes et j'essaierai de voir si j'ai rien oublié. Le mandat ad hoc et la conciliation, le mandat ad hoc, la sauvegarde et la conciliation sont des solutions dites préventives. Préventives parce que on est avant l'état de cessation de paiement. Le mandat ad hoc et la conciliation, et je verrai effectivement sur les slides suivants éventuellement les quelques précisions à apporter que je pourrais oublier, mais ce sont des procédures contractuelles. Ce sont des procédures contractuelles qui sont extrêmement utilisées en France et pour rien vous cacher, elles existent dans la loi de 84. Après, ça a évolué, ça a changé de nom parce qu'on parle de conciliation, avant on parlait de règlement amiable, mais elles étaient très peu utilisées. Hein, la loi de 85 sur la pression collective, c'était plutôt redressement judiciaire, plan de cession. Mais moi, j'ai commencé en 91, ça fait un peu vieux combattant quand je dis ça. Mais 91, c'était la guerre du Golfe aussi, mais c'était la crise de l'immobilier. Et finalement, le recours à ces procédures a eu lieu véritablement à ce moment-là parce que l'État français a voulu sauver l'immobilier français, notamment parisien et lyonnais, qui étaient souvent détenus dans des structures juridiques qui pouvaient poser des soucis à certains établissements bancaires. Et donc, on a mis en place, on a plutôt utilisé des textes de loi qui existaient et qui donc poussaient à la négociation contractuelle, à la négociation amiable. Le mandat ad hoc et la conciliation, c'est le chef d'entreprise qui, confronté à un certain nombre de difficultés, a besoin de se mettre sous la protection du président du tribunal de commerce. J'insiste sur ce point, c'est le président du tribunal de commerce. Ce sont des procédures confidentielles. Ce n'est pas le tribunal qui se réunit pour faire un jugement. J'y reviendrai après sur l'aspect conciliation. Mais en tout cas, l'esprit, c'est je vais négocier avec un certain nombre de partenaires limités sous l'égide d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. J'y reviendrai après sur les quelques précisions, mais je ne veux pas vous embrouiller. Et ce tiers indépendant est nommé par le président du tribunal de commerce au travers d'une procédure confidentielle. C'est sur requête qui est déposée au président et il rend une ordonnance pour justement m'aider à mettre en place la meilleure solution et notamment m'aider avec ce tiers à négocier avec les partenaires. Donc, c'est des procédures qui sont beaucoup utilisées avec les banques, mais j'ai beaucoup travaillé en 2008 dans la sous-traitance automobile et on se retrouvait très souvent avec un mandataire ad hoc au CIRI. Donc, le CIRI, c'est le comité interministériel de restructuration industrielle et on en parle beaucoup en ce moment parce que, notamment sur les gros dossiers, normalement, sa compétence, c'est au-delà de 400 personnes. Bon, il peut y avoir, ils interviennent parfois en dessous, et donc qui dépend de BRC. Donc, on se retrouvait avec un mandataire ad hoc désigné, le CIRI, qui représentait aussi les créances qui n'étaient pas payées, URSSAF, TVA, etc. Et puis, on se retrouvait avec les grands donneurs d'ordre. Il y avait les clients, on pouvait avoir des Peugeot, des Renault en tant que clients, ce qui est quand même très rare, hein. Il pouvait y avoir les assureurs crédits parce qu'ils conditionnaient beaucoup de choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, on adapte ces procédures aux besoins de l'entreprise. Mais ce sont des procédures qui fonctionnent extrêmement bien parce qu'on est dans la négo et c'est toujours mieux d'être dans la négo. Et donc, au travers de ces missions-là, on achète du temps et on construit un plan de restructuration et qui va être ensuite, j'allais dire, homologué, accepté par le président du tribunal. Il n'y a pas, c'est pas des procédures collectives, c'est-à-dire que ce n'est pas public. La sauvegarde, elle est préventive. Et je répondrai à vos questions après parce que encore une fois, ceux qui connaissent pas, et tant mieux s'ils connaissent pas, d'ailleurs, parce que ça veut dire que c'est la première fois qu'ils ont entendu parler de ça. La sauvegarde, c'est une procédure préventive parce que on n'est pas en état de cessation de paiement, on ne doit pas être en état de cessation de paiement, mais on sait qu'on va rencontrer, ou qu'on rencontre déjà, mais qu'on va rencontrer des difficultés qui vont peut-être nous amener à l'état de cessation de paiement, et donc on s'y prend en amont. Mais c'est une procédure collective parce qu'elle a les mêmes effets que le redressement judiciaire, hein, sans rentrer non plus trop dans les détails techniques. De fait, c'est-à-dire qu'on déclare, enfin, c'est une requête, et auprès du tribunal, en l'occurrence, qui va rendre un jugement et qui va ouvrir une procédure de sauvegarde. Et l'idée, quand on rentre en sauvegarde, ce qui veut dire qu'on n'est pas en état de cessation de paiement, on ne subit pas, c'est effectivement qu'on se dit, je sais quel est le plan de sauvegarde avec lequel je vais sortir demain. On le sait plus ou moins, il ne faut pas se raconter l'histoire, mais on rentre dans une période dite une période d'observation, où on va travailler avec un administrateur judiciaire et on va bâtir un plan. Finaliser, bâtir, enfin bâtir, finaliser, négocier un plan avec l'ensemble des créanciers. Et cette procédure-là va nous permettre d'acheter du temps plus long, parce qu'on peut étaler le passif sur 10 ans de différentes manières, etc. Et j'insiste un peu sur cette procédure, pas que, d'abord,
J'insisterai non jamais assez sur le fait de dire étudions tous les scénarios pour voir quel est le meilleur. Donc, sans connaître une situation particulière, elles sont toutes particulières, on ne peut pas dire c'est celle-là versus telle autre. Pour autant, dans la période actuelle, je pense que la sauvegarde peut se révéler dans certains cas être une bonne procédure. Pourquoi je dis ça? Et on verra si l'avenir me donne raison ou pas. C'est vu ce qui se passe, les entreprises ont généré de la trésorerie, sont effectivement, entre guillemets, cash riche, sauf qu'elles vont brûler ce cash, et puis qu'on va rentrer dans des phases de remboursement, etc. Donc, ça peut se faire si, et je reviens toujours finalement à l'idée que j'ai, qui est de dire je dois acheter plus que 6 mois de temps. Si je dois acheter 2 ans, ben, il faut que je regarde si au travers d'un mandat ad hoc et d'une conciliation, je peux acheter 2 ans en discutant avec les différents créanciers, ou si ben, j'ai plutôt intérêt à me mettre en sauvegarde parce que je vais acheter ces 2 ans. Ça, c'est sûr, parce que la procédure de sauvegarde va durer 18 mois. Et puis derrière, je peux amortir mon passif de manière non linéaire. Quelle est l'entreprise qui peut dire, je suis pas en difficulté? Et la sauvegarde a une connotation sur le... Bon, c'est pas très positif de dire je suis en sauvegarde, pas vous raconter l'histoire, mais elle a une connotation moins négative, évidemment, que le redressement judiciaire est très assimilé à ce qu'on appelle le chapter 11. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une période où la sauvegarde sera probablement plus étudiée et peut-être, on verra, plus appliquée. Après l'état de cessation de paiement, j'ai plus d'autre choix que d'aller en redressement judiciaire. Mais autant, alors, peut-être une précision importante parce que ça me permet de vous expliquer la sauvegarde. Donc, vous avez compris, mandat ad hoc, conciliation, indépendant, l'entrepreneur garde la main, il n'a aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir. C'est juste un tiers, c'est une espèce de médiateur qui est nommé par le président. Et comme c'est une mesure de prévention, ça sécurise tout le monde, le chef d'entreprise, les actionnaires et les créanciers, parce qu'on a utilisé une mesure de prévention qui est prônée, poussée par le législateur. La sauvegarde, c'est une procédure collective où un administrateur judiciaire est nommé, un représentant des créanciers est nommé. Mais pour autant, la mission de l'administrateur judiciaire, il y a 3 missions d'administrateur judiciaire quand on est en redressement judiciaire. Ce qu'on appelle surveillance, mission 1, mission 2, mission 3, parce que c'est un jargon, mission 1 c'est surveillance, mission 2 c'est la plupart du temps, en redressement judiciaire, je vais revenir, c'est la co-gestion, pour faire simple, assistance, et représentation c'est quand il y a des problématiques de fraude où c'est l'administrateur judiciaire qui prend la main. Je peux vous dire qu'ils n'aiment pas trop, donc en redressement judiciaire c'est surtout la mission 2 qui est appliquée. En sauvegarde, c'est une mission de surveillance, c'est-à-dire que oui, il y a un tiers qui est là, oui, il y a le tribunal qui est là, donc le chef d'entreprise n'est pas tout seul, mais il continue à gérer son entreprise, et l'entreprise n'est pas à vendre, dans le sens où, quand je rentre en sauvegarde, si je me suis préparé en amont, j'ai un plan en tête que je vais continuer à finaliser, mais je peux sortir avec mon plan et personne va venir me prendre mon entreprise. Et là, je m'adresse aux entrepreneurs, je sais ce que c'est qu'effectivement de se dire « je rentre là-dedans et comment j'en sors ?» Et c'est vrai que c'est des environnements qui sont pas forcément très sympas. Si, il y a des gens très sympathiques, mais ils sont pas très agréables. Donc, retenez qu'effectivement, la sauvegarde, on garde la main, c'est une mission légère de l'administrateur judiciaire qui est là pour vous accompagner à sortir dans le cadre d'un plan de sauvegarde, comme un chapter 11 aux États-Unis. Le redressement judiciaire, donc je suis en état de cessation de paiement. Pour autant, ça vous paraît bizarre ce que je dis là, je peux être en état de cessation de paiement tout en étant riche. C'est-à-dire que je peux avoir mis effectivement, et par l'effet du redressement judiciaire aussi, me créer de la trésorerie qui vont me permettre de bâtir l'équivalent du plan de sauvegarde, parce qu'on peut en redressement judiciaire aussi sortir avec un plan de continuation. Je ne donnerai pas de nom, j'ai accompagné un chef d'entreprise dans le retail, dans le prêt-à-porter pendant des années, qui est passé par un redressement judiciaire, qui est passé par un plan de continuation. Est-ce qu'au moment où on a déposé le bilan, je savais exactement comment sortir? Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Est-ce qu'on avait une idée? Oui, et après ça se passe toujours différemment. N'empêche qu'on est sorti en plan de continuation et qu'il a revendu sa boîte il y a 2 ans et qu'il a très bien fait de la vendre et il l'a très très bien vendu. Bon, après l'expérience, elle est unique pour lui, extrêmement éprouvante, mais il y a des solutions. Le redressement judiciaire aussi, et là c'est la grosse différence avec la sauvegarde, par définition. Et là, Steven, je veux bien que tu passes les slides suivants pour voir si j'ai rien oublié. J'espère que je ne vous fatigue pas parce que là, je sens que je m'emballe. Mais non, tu peux passer celui-là. Mandat ad hoc, conciliation, je pense que j'ai expliqué l'essentiel. On pourra revenir si vous avez question sur la notion d'homologation, c'est-à-dire à la fin de quand on trouve un accord, il y a différentes formes d'homologation avec plus ou moins de publicité vis-à-vis de l'externe. Mais normalement, c'est des procédures confidentielles. Le slide suivant. Donc voilà, donc ça c'est les règles communes, je vais revenir après hein, sur ce que je voulais dire. Ça c'est les règles communes, je dirais, aux procédures collectives, sauvegarde et redressement judiciaire. Je dis que c'est à peu près les mêmes effets. Donc quand on rentre dans une procédure collective, on gèle tout son passif, tout le passif antérieur au jugement. Donc après, il peut y avoir des exceptions sur des clauses de réserve de propriété, il y a la loi Guesso, il peut y avoir des droits de rétention, mais le principe de base, c'est que je gèle tout mon passif, fournisseur, social, bancaire, tout.
toutes les poursuites sont suspendues, ce qui veut dire que tel fournisseur peut mener toutes les actions possibles, on est protégé par la loi, par le tribunal, par les mandataires de justice, y compris donc les cautions qu'on aurait pu donner à titre personnel. Tous les contrats sont poursuivis. Donc, toutes les clauses qui disent en cas de RJ, etc., mon contrat de franchise, mon contrat de licence, ISO, c'est absolument pas valable. On peut mettre fin à un contrat de bail. Donc, après, pour autant, il peut y avoir des indemnités, etc., qui viendront en passif, mais qu'on pourra étaler. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 2 × 6, ça fait maximum 12 mois. Et de mémoire, on peut avoir, de mémoire, enfin, je ne veux pas dire bêtises, 6 mois renouvelable 2 fois, et c'est à 18 mois, c'est pour ça que j'étais étonné de la façon. Donc c'est bien, c'est renouvelable 2 fois. Mais la deuxième fois, effectivement, c'est sur requête auprès du procureur, ça, c'est pas automatique. Et je te disais déjà, le dirigeant est assisté d'administrateur judiciaire qui peut avoir 3 types de missions. Steven, je veux bien un slide suivant, s'il te plaît. Donc, sauvegarde, redressement judiciaire. Donc j'étais au redressement judiciaire. L'entreprise est en théorie à vendre dès l'ouverture. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, contrairement à la sauvegarde, l'administrateur judiciaire, son job, c'est de rechercher la meilleure solution possible. Et la meilleure solution possible, il y a 3 critères de la loi, hein, qui sont, normalement, ils sont au même niveau. Hein. Pérennité de l'activité, remboursement des créanciers et sauvegarde de l'emploi. En France, globalement, il y a quand même un ranking, c'est pas forcément les créanciers, contrairement au monde anglo-saxon qui arrive en tête, c'est plutôt l'emploi et la pérennité de l'activité. Et donc, l'administrateur judiciaire, il a plusieurs options. J'en écarte une qui est la liquidation judiciaire. Je ne vous parlerai pas de liquidation judiciaire parce que je considère qu'on s'y est pris en amont, on a géré notre trésorerie et après, on a utilisé la bonne procédure par rapport à la situation. Mais la liquidation judiciaire, là, pour le coup, c'est la mort de l'entreprise, d'une certaine manière. Il peut y avoir des reprises, mais pour moi, c'est à bannir. Donc, mais en revanche, les autres procédures peuvent être utilisées. Donc, l'administrateur judiciaire peut aussi, c'est son rôle, va chercher la meilleure solution, y compris vis-à-vis de tiers, externe pour reprendre l'entreprise. Pour autant, et ça, il faut le retenir, et le cas dont je vous ai parlé sans citer le nom, le plan de continuation est généralement privilégié. Pourquoi ? Parce que l'administrateur judiciaire, il est sensible à l'entrepreneur. Il est sensible au fait, surtout dans des périodes de crise comme celle qu'on connaît, que c'est totalement injuste de voir un entrepreneur perdre son entreprise alors qu'il subit complètement cette crise sanitaire. Donc, si c'est bien préparé, qu'un plan de continuation est viable, il sera privilégié versus des plans de cession, c'est-à-dire des tiers qui ont une offre de reprise. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'aspect d'être riche avant en trésorerie et d'avoir bien préparé les éléments en amont. Je dirai un mot aussi sur ce que vous avez entendu, ce dont vous avez entendu parler probablement, qui est l'ordonnance du 20 mai 2020, sur le fait de pouvoir reprendre sa propre entreprise. Je dirai un mot après. Intervention des AGS, les assurances garanties des salaires. Donc, c'est ce qui se substitue au paiement des salaires et des congés payés, et ce qui vient aussi aider la trésorerie de l'entreprise en cas de redressement judiciaire, parce que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare l'état de cessation de paiement. L'ancien terme, c'était on dépose le bilan, il n'existe plus. Mais donc, je déclare l'état de cessation de paiement en fin de mois pour faire prendre en charge et mes salaires. Et si j'ai des congés payés, je les fais prendre aussi en charge. Après, si j'ai un plan de restructuration, effectivement, dans le cadre d'un redressement judiciaire, il faut le savoir, il y a des procédures simplifiées plus rapides et les AGS prennent aussi les indemnités légales de licenciement. Donc, c'est une façon aussi pour préparer mon plan de continuation, si malheureusement je dois mener un plan de sauvegarde pour l'emploi, de faire financer. Après, il faudra que je le rembourse, mais j'aurai du temps pour rembourser. Et donc, ça fait partie aussi de la stratégie. Et donc, bon, je pense que j'ai expliqué que c'était soit un plan de cession, donc un tiers, soit un plan de continuation et liquidation judiciaire, je ne veux même pas en parler. Une remarque sur l'ordonnance du 20 mai 2020. Et vous avez vu, on a travaillé sur certains des cas, je ne les citerai pas non plus, mais vous avez vu un certain nombre de cas, et notamment dans le retail, d'entreprises qui sont passées par des procédures collectives de redressement judiciaire et où le dirigeant actionnaire a repris sa propre entreprise, a fait un plan de cession. Ça, c'était quelque chose qui était prévu par les textes, mais c'était sur autorisation du parquet, du procureur. Là, il y a une forme d'automaticité qui a été inscrite par le législateur. De mémoire, c'est jusqu'au 31 décembre. Je ne sais pas si ça a été poursuivi. À mon avis, ça va être poursuivi. Bon, ce n'est pas sans risque, hein, parce que quand je vais au redressement judiciaire, je sais que je suis en compétition avec d'autres. Donc, soit je suis mieux disant
Et effectivement, je peux passer par cette procédure, je ne peux pas faire de plan de continuation parce que mon passif est trop élevé et je n'y arriverai pas. Et donc, je tente effectivement ce plan de cession. Ça peut se préparer en amont, mais si votre entreprise, malheureusement, intéresse d'autres repreneurs, vous serez en concurrence. Pour autant, je pense qu'il y aura une bienveillance à plan équivalent. Donc, c'est à manier avec beaucoup de prudence. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous donner mon avis. Mais c'est en tout cas, c'est quelque chose qui est prévu par les textes aujourd'hui, peut-être provisoirement, et qui peut aussi constituer une solution. Donc voilà, donc une fois que je vous ai dit tout ça, je pense que la conclusion, vous l'avez. Anticipation, gestion propre prioritaire du cash, refus du déni. C'est je garde la main, je ne subis pas, je prends des décisions qui sont difficiles, j'étudie tous les scénarios et j'ai toujours un coup d'avance. Vous allez me dire, c'est la vie en général, probablement. Et justement, quand on parle de vie, il y a une vie après les difficultés, parce que ces procédures-là, franchement, certains pays européens peuvent nous les envier. Il faut savoir comment ça fonctionne. C'est des environnements complexes. Alors, évidemment, je ne ferai pas de pub pour EY, hein. Mais il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer parce que c'est des moments difficiles. Mais le message qu'on voulait vous passer, c'est bien sûr la trésorerie, bien sûr l'anticipation, mais surtout, ça j'ai appris ça depuis 30 ans, et j'ai appris ça surtout au contact des entrepreneurs, parce que j'apprends tous les jours grâce à eux, jamais rien lâcher, quoi. Il y a toujours une solution. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si on a dépassé complètement le délai, Emmanuel, et après on sera ravis de répondre à vos questions. Non, enfin, on est bien. En tout cas, après, ça dépend des questions. Il y en a pas beaucoup sur le chat. Il y en a une là, qui vient d'être posée. Je ne sais pas si vous savez y répondre. C'est le modèle de rémunération de l'administrateur judiciaire. Quel est le modèle de rémunération de l'administrateur judiciaire? Je ne sais pas si c'est si simple que ça en réponse. Non, enfin, j'avoue qu'il y a des... Alors, s'il est nommé dans le cadre d'une procédure amiable, c'est comme les consultants aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que il y a une lettre de mission et elle doit être approuvée d'une part par le dirigeant. Donc c'est comme quand nous on fait une lettre de mission, on propose des honoraires, c'est discuté. Donc elle doit être approuvée par le dirigeant et elle doit être aussi approuvée par le président du tribunal quand il rend son ordonnance. Quand c'est en administration judiciaire, il y a des barèmes spécifiques que je connais mal. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais c'est amusant parce que c'est le deuxième webcast où on nous pose cette question, donc j'aurais dû anticiper. Il y a des barèmes, mais je ne les connais pas en tête. Ils sont liés au personnel, ils sont liés aux cessions d'actifs et à d'autres considérations. Donc, j'avoue, je les connais mal. Ok, ben si on accède, on pourra les envoyer aux participants. Il y a pas de... Oui, absolument. Je vais me renseigner, ça doit être public. J'avoue, je regarde rarement ça. Ok. C'est-à-dire, on les met dans la zone trésorerie. Oui, exactement. Bon, non, mais c'est intéressant. Ça permet aussi de démystifier, de parce que c'est sûr que je pense que beaucoup d'entreprises sont dans une situation à laquelle elles n'étaient pas préparées, parce qu'aujourd'hui, je veux dire qu'il y a toujours, je le vois d'ailleurs quand on discute avec les conseillers du gouvernement, il y a toujours la perception que seules les entreprises qui étaient en grande difficulté avant 2020 peuvent se retrouver en difficulté aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est une approche erronée totalement. C'est-à-dire qu'on a vécu une période exceptionnelle. On ne peut pas avoir été fermé 3 mois, 5 mois, etc. C'est pourtant assez mathématique. Alors, c'est vrai que l'État a le sentiment qu'à travers le chômage partiel, ce qui est vrai, hein, quand même, chômage partiel, et les PGE, on peut tout passer, mais on ne peut pas tout passer, en fait. La problématique de l'activité de fin d'année est tellement lourde que ça peut malheureusement fragiliser beaucoup de gens. Et donc, désacraliser ou rendre un peu plus accessible des processus ou des manières de faire auxquelles les gens ne sont pas habitués, c'est important. C'est important. Bah, j'ai partagé avec vous deux points. D'abord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais... le mandat ad hoc, c'est la procédure la plus souple, c'est-à-dire qu'elle permet tout, elle est très peu encadrée, etc. Généralement, ce qu'on se dit, ce qu'on entend intervenir dans une situation de crise, hein, c'est comme quand il y a un accident de la route, le blessé, on ne peut pas faire le diagnostic complet tout de suite. Donc, en revanche, il faut acheter du temps. Et le mandat ad hoc, c'est une très bonne manière d'acheter du temps, de se placer sur la protection du président, montrer qu'on est... Je dis souvent good guy, c'est-à-dire qu'on utilise les textes prévus par la loi
pour aller vers la prévention. Donc, on est totalement responsable. Et c'est une procédure qui nous permet finalement, en achetant ce temps-là, de réfléchir aux autres procédures. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce que vous disiez, Emmanuel, c'est effectivement, enfin, nous, on l'a vu, hein, entre mars et août, on a été extrêmement occupé et plutôt sur des, pour aider des entreprises qui étaient déjà un peu malades. D'accord? Ça a précipité ou ça a accéléré les choses. En revanche, il y a plein d'entreprises qui étaient en pleine santé et qui ont eu recours au PGE, qui ont mis en place ça, mais qui aujourd'hui, dont les activités sont totalement arrêtées. J'ai pas besoin de vous faire des dessins entre l'aéro, la restauration, etc. Et qui, à un moment, c'est quand il n'y a plus de rentrée, il n'y a plus de rentrée. Enfin, faut pas se raconter l'histoire, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, ce qu'il faut surtout pas, c'est effectivement brûler son cash pour se retrouver sans cash devant un seul choix qui est la procédure collective. Donc, c'est ça le grand message aujourd'hui. Moi, la façon dont je vois les, enfin, la façon, et on verra si j'ai raison ou pas, mais pour avoir échangé beaucoup avec, notamment avec des banques. Alors, dans les banques, c'est vous avez des équipes spécialisées affaires spéciales, ça c'est pour les dossiers les plus difficiles, mais dans mon rôle d'animation transversale entrepreneur, middle market, je change beaucoup avec les patrons coverage des banques et leurs équipes partout en région. Comment ils sont tous en train de se préparer? C'est-à-dire que malheureusement, on sait, c'est inévitable, il y aura une vague de défaillance, il y aura beaucoup de, il y aura des défaillances d'entreprises, et probablement parmi les plus petites. Moi, je pense qu'il va y avoir une vague importante de restructuring comme on connaît, hein, c'est-à-dire nous, nos équipes, on est un peu dans le dur, négociations difficiles, séries, mandats ad hoc, etc. Beaucoup de prévention, mandats ad hoc. Et il va y avoir aussi toute une catégorie de dossiers, à mon avis, ce serait une majorité de boîtes qui ont souffert de la crise, pour lesquelles, évidemment, il y a des remises en cause de business model, il y a eu de la dette sur de la dette, des covenants qui ont breaché, etc. Donc, il faut se mettre autour de la table. Et ce que je comprends, notamment des banques, mais globalement tout le monde s'organise comme ça pour garder cette proximité avec les entreprises, notamment avec les régions, et faire en sorte que ça ne soit pas forcément les affaires spéciales. Et il y a des gens très bien aux affaires spéciales, ne hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, des gens très expérimentés, mais les banques veulent aussi préserver leur relation dans la durée avec, avec leurs clients, qui sont c'est vous tous, et s'organisent pour justement faire en sorte qu'il y ait le même type de négociation moins dure, sans forcément passer peut-être par des mandats ad hoc dans certains cas, sans passer par le CRI. Mais dans l'année, et je vous dis ça parce que je suis en train de le vivre sur trois dossiers. On est vraiment limite, limite, mais on voit bien qu'il y a une volonté d'aider. Donc après, c'est toujours pareil, hein, c'est une négociation, donc c'est un effort partagé. Il faut retenir ce principe-là parce que ça sort dans toutes les retours et structuring. C'est des efforts partagés. Management, qu'est-ce qu'a fait le management pour réduire les coûts, pour prendre des décisions, etc. Actionnaires et créanciers. Après, ils peuvent être divers et variés. Donc je pense qu'il va y avoir ces trois catégories. Autant être dans la troisième. Mais les deux autres, encore une fois, sont aussi des situations qu'on est capable, enfin, qu'on peut gérer et on a, si on a géré son cash. Et la deuxième remarque, mais c'est une évidence pour tout le monde, on sait bien que ça va être probablement une période où il va y avoir énormément de, ben, je pense qu'il va y avoir énormément de besoin de renforcement de fonds propres et beaucoup de rapprochement, de consolidation, de secteurs, de filières. Donc, on va être dans des opérations de restructuration très différentes de ce qu'on a connu en 2008. Était plutôt orienté vers ce qu'on appelait amend and extend, c'est-à-dire je prends mon passif, j'essaie de déterminer ma capacité de cash flow prévisionnel et comment je sers ma dette sur les années qui viennent. Là, on va être beaucoup plus je pense, dans la transaction, dans du rapprochement, dans du haut de bilan et pas que sur de la dette. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a soit envie de prendre la parole pour poser une question, soit le faire par le chat. En tout cas, je trouve que ça complète bien un autre webinaire que nous avons fait sur l'autre volet qui est le sujet des actifs, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'événement 2020, enfin 2020 est quand même un moment très très particulier. Donc, du coup, comment cette année très particulière va être prise en compte dans l'estimation des actifs des entreprises. Alors évidemment, on parle des droits tobos, mais tout sujet comme l'impairment, etc. Et toute la difficulté, c'est de scénariser l'avenir avec beaucoup d'inconnus. Et je trouve que ce que vous avez fait ce matin montre bien que ces inconnus réclament de gagner du temps. Donc après, effectivement, il faut bien. Évidemment, il faut bien appréhender les choses entre serrer les boulons et continuer d'avancer quand même, parce qu'effectivement, il faut entre guillemets pas, on peut pas être en situation d'arrêt pendant trop longtemps dans tous les business et dans le retail notamment. Donc, chacun doit bien apprécier
la manière dont il doit arrêter la machine et serrer les boulons en fonction de la situation dans laquelle il est et de la prévisibilité de son secteur. Mais on voit bien, bon, c'est des secteurs assez évidents, hein, comme la restauration, par exemple, les inconnus sont tels que la prudence ne peut être que la seule règle possible, puisqu'il n'y a pas de possibilité de se projeter. Et après, il y a des secteurs un peu entre les deux, comme le textile, avec un marché qui reste assez compliqué en termes de comportement du client, et puis sans doute des secteurs plus, pour l'instant en tout cas, plus préservés, comme le sport ou l'équipement de la maison, qui ont un peu bénéficié, je dirais, de cette ambiance Covid à la maison, etc., qui du coup, probablement, sont un peu moins, en tout cas à court terme, un peu moins exposés. Mais on voit bien que tout ça va faire que chaque secteur et ensuite chaque entreprise va devoir trouver des dispositifs adaptés. Et on ne peut pas être dans les généralités, mais malgré tout, je pense que la prudence sur la trésorerie, elle concerne tout le monde. Parce qu'il y a quand même un sujet dont on n'a pas parlé là, qui est lié à qu'est-ce qui peut se passer en 2021. C'est-à-dire qu'il y a un peu deux scénarios pour 2021. Un premier qui est celui où on a appris à gérer, à vivre avec le virus et à combiner économique et virus. Bon, ça, c'est le scénario un peu idéal, avec du coup une espèce d'adaptation sans confinement. Et donc, dans ce cas-là, probablement un début de reprise deuxième semestre 2021 ou fin 2021. Et puis un schéma malheureusement plus inquiétant, plus casse-pied et plus dramatique, qui serait d'être à nouveau proche du confinement ou presque confiné, alors sans fermeture, même si c'est sans fermeture, parce qu'on voit bien que même sans fermeture de magasin, dans le retail, quand les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, de toute façon, on a quand même un problème. Donc de toute façon, on voit bien qu'on est dans le sanitaire avant d'être dans l'économique, et quand on a cet inconnu-là, on ne peut pas faire de pari, quoi. On est obligé de se dire que malheureusement, le pire n'est pas impossible en janvier-février, et donc il faut essayer de mettre le plus de chances de son côté. Alors, comme vous le disiez, hein, Guillaume, c'est plus facile pour le consultant ou pour moi que pour l'opérationnel, mais c'est quand même la réalité, et c'est ce dont on discute, y compris chez Procos, dans la manière de gérer les problématiques de loyer. On voit bien que les contrats ne sont pas suffisants pour régler les problèmes en ce moment. C'est-à-dire que les contrats, ils n'ont pas la flexibilité, notamment les baux. On voit bien qu'on ne peut pas payer durablement 100% de son loyer quand on fait 50% ou quand on fait 0. Donc, tous ces sujets-là vont réclamer d'être aussi attentifs là-dessus et d'essayer de ne pas payer trop par anticipation, de ne pas payer les trimestres d'avance. Enfin, tous ces sujets-là, malheureusement, ce n'est pas respecter le droit, ce n'est pas respecter le bail, mais malheureusement, un certain nombre d'acteurs vont devoir passer par là pour sauver leur peau. On ne relancera pas des acteurs morts. Donc, le premier sujet, c'est bien d'être quand même dans cette survie. Et puis, la période de survie, elle est plus longue que celle qu'on avait anticipée à la fin du premier confinement. C'est-à-dire qu'au premier confinement, on pensait que l'activité reprendrait moins vite. Mais par contre, on pensait probablement qu'on ne retomberait pas dans quelque chose de dur en termes de confinement. Alors, donc, comme quoi, de toute façon, ça montre bien l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'on est bien dans un moment où on peut réfléchir, mais on ne peut pas être sûr. Donc, il faut malgré tout scénariser des choses compliquées. Voilà, je ne serai pas plus long. Comme il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si vous avez tous les deux un dernier mot avant qu'on se quitte. Et en tout cas, moi, avant de vous donner la parole, je vous remercie à nouveau énormément. Je pense qu'on diffusera les slides, hein, c'est ce qu'on avait dit, je ne sais plus. Oui, comme problème pour nous. Voilà. Donc, merci. Je vous repasse la parole, Guillaume. Moi aussi, je voulais vous remercier, Emmanuel, et remercier à tous pour votre écoute. Hein. C'est jamais facile, les webcasts virtuels, parce qu'on ne voit pas les gens. Le message, et ce n'est pas de la pub pour EY, hein. Notre métier, il repose sur, je le disais, sur beaucoup de partage d'expériences. Donc, vous avez nos coordonnées et je considère qu'on a un rôle, nous, à jouer. On n'est pas les seuls, hein, justement, à aider les entreprises. Je ne suis pas en train de parler de mission. Donc, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Soit Julien, moi-même, on a l'équipe, on vous fera parvenir nos coordonnées. Mais c'est vraiment ce message-là que je voulais passer, parce que tout le monde est dans la difficulté.
En tout cas, merci à vous, Emmanuel, merci à toute l'équipe de nous avoir donné cette opportunité d'échanger et j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Ben, on aura peut-être même l'occasion de le faire à nouveau, hein. Je pense qu'il faut s'adapter au temps. Merci à vous, c'est vous qui apportez le contenu. Merci et puis merci aux participants. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail aux uns ou aux autres si vous le souhaitez, puis on essaiera d'y répondre. Je pense que c'est aussi cet échange et cette solidarité qui fera qu'il y aura un maximum de gens à passer le cap. Les bonnes pratiques, il faut les partager au quotidien maintenant. On n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire, on achète du temps, mais on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut pas se payer d'erreurs. Et donc, il faut être le plus dans l'échange possible pour pouvoir faire face à ces éventuels schémas imprévus. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. À très bientôt. Et puis, je pense qu'on a l'occasion de se reparler très vite. Au revoir. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.